La militante palestinienne Mariam Abou Daka a quitté vendredi soir la France pour le Caire, après la validation de son expulsion par le Conseil d'État, a-t-on appris de sources policières. La plus haute juridiction administrative avait donné son feu vert mercredi à l'expulsion de cette militante du Front populaire de libération de la Palestine, FPLP, une organisation de gauche radicale qualifiée de « terroriste » par Israël et l'Union européenne. Saisi en urgence, le Conseil d'État avait ainsi donné raison au ministère de l'Intérieur, qui estimait que la présence de l'activiste sur le sol français, depuis l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre, risquait de porter une atteinte grave à l'ordre public. Le procès que j'ai subi n'est pas digne d'un gouvernement démocratique. C'est le procès de la révolution palestinienne, a estimé Mariam Abou Daka, jointe au téléphone par l'AFP vendredi après-midi alors qu'elle se trouvait dans la zone de rétention administrative de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, en vue de son expulsion sur un vol Air France. La militante a dénoncé une « attaque contre le droit de la Palestine à avoir un État, une identité, une existence ». Il s'agit d'une criminalisation du soutien à la Palestine, ont déclaré ses avocates, mais Elsa Marcel et Marie David à l'AFP. Nous ferons un recours de fond, et iront devant la Cour européenne des droits de l'homme s'il le faut, ont-elles ajouté. Interpellée mercredi soir à Paris, la militante avait été placée au centre de rétention administrative du Ménilmontant, à proximité de l'aéroport Charles de Gaulle. Jeudi soir, une cinquantaine de personnes s'étaient réunies près de la préfecture de police à Paris pour réclamer sa libération et dénoncer les conditions de son interpellation, peu après sa participation à une soirée débat dans un cinéma parisien. Des élus communistes et la Confédération syndicale CGT avaient évoqué une arrestation « violente ». Mariam Abou Daka, 72 ans, avait obtenu début août, au consulat français de Jérusalem, un visa de 50 jours pour la France, où elle devait participer à diverses conférences sur le conflit israélo-palestinien. Arrivée en septembre, elle a donné deux conférences malgré l'interdiction qui les frappait et manifestée pour la libération du militant communiste libanais Georges Ibrahim Abdallah, condamné à la perpétuité en 1987 pour complicité dans l'assassinat de deux diplomates américains et israéliens.